Edgar Leblanc fils, mesdames et messieurs, et ben c'est citoyen ça wap gade là qui fait que sont élu président conseil présidentiel là, ça a été dit c'est pire. Et ben jodi là, c'est monsieur qui pral diriger pays ça, c'est monsieur qui pral donc mener bak pays jusqu'à ce que élection faite et pour nous joindre et ben yon président et qui a l'élection normale et qui élu président pays a mais pas un président provisoire tant que jeune homme un bon citoyen ça que n'a regardé là sorry my bad et donc c'est monsieur et ben Edgar Leblanc fils mesdames et messieurs et ben c'est même nèg Moïse Jean Chalio et donc je dis à là monsieur élu président et conseil présidentiel là en tout cas et après en pile Fouquet rally Menevini qui t'a fait finalement et ben et carotte là lui même liquide Edgar monsieur élu président et c'est monsieur qui pral diriger pays ça mais qu'on y a et par rapport avec en pile attente qui gagne pour qui ça pral fait pour pays ça est-ce que tout bon vrai nèg yo pral travailler pour Haïti ou bien nèg yo seulement là pour venir brasser l'argent c'est question en pile monde a posé bon moi même tout m'a posé question ça mais dans vidéo ça nous pral inviter au gain détail mesdames et messieurs parce que gagne Teriel Telus dit tété qui lui même pral l'encourir parce que Guerrier Henry et ben monsieur porté plainte pour Teriel Telus dans tribunal États-Unis et dans jour qu'a venir là tété pral obligé tous ses souliers là pour paraître devant la justice pour gros accusation que monsieur lui même lui fait sur Guerrier Henry côté monsieur classe Guerrier comme un journaliste qui toujours et ben dans fouté derrière avec gang surtout Chris là mesdames et messieurs dans Tibois on écoute pour plus de détails avec et maître Peggy Jean qui va dire nous comment élection s'est déroulée dans Villa d'Akay mesdames et messieurs jodiant qui c'est donc 30 avril 2024 et ensuite n'a écouté Guerrier Henry qui va dire nous et ben et comment pour le flûter tété là parce que Teriel Telus toujours attaquer Guerrier Henry et ben monsieur lui même fois ça il mettait pied à terre et c'est pas en Haïti c'est les États-Unis on écoute cela qu'a fait pratiquement dans pays madame monsieur c'est là que politique a son belle science OK mais il faut que me dire que bataille pour nous arriver là son bataille qui gagne en pile main d'elle et maître Peggy Jean comment nous y eh ben m'a salué toute équipe matin débat nous saluons Loco nous saluons Pierre Martin Tatout nous saluons Isaïe César toute équipe là. Donc c'est ça, la nouvelle est confirmée. Edgar Leblanc fils devient le nouveau président du conseil présidentiel de transition. Très bien. Maintenant, alors qui sont comprennent là, M. Peggy Jean? Ok, justement. Il y a eu quand même un désistement du alors, côté. Allez-y. Oui, m'a dit que dans un premier temps, tu as gagné Louis-Gérald Gilles qui était candidat et qui était bénéficié dans l'alliance avec représentant Petit Dessalines et représentant Aidé, OK? Et ça qui était pour le bal trois voix, voix par là, plus voix représentant Petit Dessalines, plus voix représentant Aidé. Bien. Naturellement, à un certain moment, il y a un débat qui a fait, comme quoi, en un certain sens, Gérald Gilles représentait la continuité, puisque issu du 21 décembre, ce qui n'est pas nécessairement vrai, mais ça n'est pas allé comme débat. Sur ce, tu commencé un débat, l'autre débat qui fait. C'est ainsi que sénateur Leblanc, que tout le monde connaît comme ancien sénateur de la République, coordonnateur national de l'OPL, ancien président de l'Assemblée nationale, au final, un consensus qui joigne autour de lui et il devient le nouveau président du Conseil présidentiel. Consensus là, c'est pas tout membre, mais c'est la majorité des membres. Mais il devient tout de suite le nouveau président du CP et il vient de s'adresser à la nation à travers une courte intervention de quelques minutes. Très bien. Mais il y a quand même une proposition et faite par la majorité des membres également pour que l'ingénieur Fritz Belize soit capable de devenir ministre. Absolument. C'est ça qui est annoncé. C'est ça qui est officiellement annoncé. Okay. Donc, pas de question, vient déposer dossier, en pile candidat. Nous te connaissons des personnalités, tant que Smith Mani, ou te cité dans Gary Coney et tant d'autres. Eh bien, toute procédure, ça a tout campé là, par la voix du conseiller qui n'a pas le droit de vote. Nous parlons de Pasteur Frinel Joseph. On a deux conseillers qui n'ont pas le droit de vote. C'est lui-même avec Régine Abraham. Mais il a annoncé. Il est le Jimmy Cherizier. Or, à l'époque, Jimmy était policier.
Madame Boisa, aucun monde. Je veux dire, personne monde pas comme si. Hein? Personne monde pas comme si. A critiqué un journaliste qui fait une interview avec un chef de gang. Même j'aime dire nous que moi j'ai un procès avec un influenceur là qui sur Facebook qui était fomenté sous moi dit que paquet Port-au-Prince était convoqué pour relation avec chef de gang. Monsieur prend toute interview que me réalisé avec chef de gang, interview me fait à Chris là, interview me fait avec Jimmy Cherizier, interview me fait avec Lamo Saint-Jean, interview me fait avec comment est-ce qu'il s'appelle Vite l'homme. Monsieur prend toute interview ça, il fait traduire pour laisser justifier relation avec gang. Mais dossier à tribunal. Dossier à tribunal. Bientôt, il y a quelqu'un pour autant de dossiers dans un tribunal États-Unis d'Amérique. Essayer chercher des éléments de formation parce que me font interview on est la traduit interview pour le prouver que même monsieur t'a fait interview avec Vite l'homme mais il fait interview avec Vite l'homme qui kidnappe citoyen américain. Eh ben tout journaliste qui a fait interview à quel que soit monde que vous voulez, quel que soit monde que journaliste estime, ça est important. Prenant quoi? Vite l'homme innocent, dans une interview le camp il baille, le tap krasi bagay li. Vite l'homme présente tête li comme un homme d'affaires. Vite l'homme présente tête li comme un nèg qui nan business. Et tout moun tabar, tout seul konnen, vite l'homme son nèg qui nan mouvement tè. Et gon bon nèg qui gen tè nan zone tabar, tout seul, c'est à vite l'homme yo te traité. Kounya nèg sa yo ki gen direct te traité a sa ma vite l'homme de baote, ki tu sais ça dans l'état, ki tu sais ça qui dans la justice et autre ou bien que dans parlement. Et pour nèg yo di, est-ce que vite l'homme ça c'est un homme politique? Est-ce que vite l'homme ça c'est un homme d'affaires? Est-ce que vite l'homme ça son chef gang? Parce que yo pas jamais connu vite l'homme comme un chef gang, songe époque Zénith t'es toujours à présenter vite l'homme comme un militant politique. Mandé Caleb Jean-Baptiste qui Jean et Nenel Kassi, qui Jean André Michel, te kon van vite l'homme. C'est vite l'homme qui t'a vite l'homme, te gen gros business, li gros building ni dans ton sel. Son je building ça qui est écrasé pour monsieur, et de la veille, assassinat Jovenel Moïse. C'est vite l'homme qui présente tête comme homme d'affaires. Et de fait, li dit de gen entreprise. Et tout le monde pense qu'il connaît monsieur qui a un business. Et puis, il y a l'homme qui dit qu'il est homme d'affaires. Et puis, tout le monde qui compte traiter avec moi, il dit que je l'homme dans la vie. Mais il y a un bon qui compte traiter avec l'homme. Et d'ailleurs, il y a l'homme campé dans une interview sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent mais qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui parce que, qui s'est passé? En Haïti, le monde décide pas de voir, et puis la chercher l'autre monde pour mettre avec, ou bien la PCF, on comprend pour pas de voir. Mais, quelque part, Gombara est quand même cap venu en plein jour. Moi-même, je suis un interview journaliste. C'est vrai que c'est des séquences que moi, c'est vrai que Mbagin ça aurait les master interview pour regarder toute interview hein, mais sous garder des angles interview hein, ouais en dedans vite l'homme ça pendant interview hein, journaliste même tiré des aspects qui t'a lié avec des bails sociaux là ouais monsieur Algoda avec yo pour montrer que monsieur son est comme si socialement capé des monde là ouais monsieur en train de marcher etc pour montrer relation qu'il développait avec au monde, ça veut dire des aspects moi même je dis à Mbagin le fait bah ouais regarder et faire commentaire ou bien analyser l'interview mais mon qui est intelligent comprenne et si qu'on va éviter l'homme voyer comme message monsieur clairement que il a cherché même pas loin me couler là me tout près là mais quelques mètres de haut d'ailleurs un monde qui habite dans zone ça tout près ambassade là
et bien énergie ou éviter l'homme qui que y a cherché. En tout cas, si on n'est pas dans l'école pour faire métier ça, je suis pas responsable. OK? Va ou pas responsable, mais un journaliste qui a fait une interview à quel que soit monde que l'estimer les besoins ou ensemble d'informations pour lui-même ou bien pour l'auditoire ni pour le public. Radio Omega. Ça doit être clair en tête tout le monde. Même c'est un choix que me fait. Donc aujourd'hui, comme journaliste, moi peut-être ça va être comme bon. Comme je dis, il y a un problème de journaliste en Haïti. Presque pas gagné. Presque pas gagné journaliste en Haïti du tout. C'est un problème sérieux. On est que je dis le temps important, oui, pour que. Gat ça Jimmy Chérizé a dit tout le temps. Babi, il a dit fond de ça, ou de commencer. Fond de monter table à tout. Mais ça t'a supposé intéresser pays à y. On est cap fait métier à. Ou t'as supposé dire, bon, faut me interview à barbecue. Pour me dire ça barbecue, besoin de demander pour venir sur table là. Il a annoncé les couleurs s'il pas venir sur table là. Mais ça t'a dû intéresser un journaliste pour le connaître. Monsieur a vu venir sur table là. Pour qui ça? Qui ça a gagné en tête li? Qui ça a gagné projet? Pour qui ça a voulu monter sur table là? En fonction de qui ça? Qu'elle voulait participer dans la négociation pour venir au bord de la table. Mais ça t'a dû intéresser, par exemple, un journaliste. Ça t'a dû intéresser. Est-ce que nous connaissons jusqu'à présent? C'est vrai que Nekina, qui chef gang, n'a toujours comme si chercher des discours, chercher des paroles. Mais. Et. Les n'ont gardé, par exemple. Mode opératoire, monsieur Sayo. Le cas de mode opératoire, yo. Vous sentez qu'on va gagner qu'il y a réalisé. Mais personne ne va jamais connaître. Parce que pour ça, personne ne va jamais poser aucune question. Personne ne va jamais poser aucune question. Il y a l'autre nègre qui a eu peur de faire une interview avec yo. Pour la pour société, pour des gens qui ne vont pas indexer yo. Mais on peut bagaille, si on a besoin qu'on ait tout bon vrai, c'est yo pour dire. C'est fait ou parler pour yon deal. Mais moi, je fais un choix. Et je fais un choix pas en fonction de gens qui comprennent les réalités. Vous gardez la parole. OK. Parce que, merci Herbert Joseph. Les messieurs disent besoin de monter sur la table. Je vais poser la question ça. Qui saurait proposer la République? Qui proposition vous avez? Tout ça, c'est des bagages intéressants. Garde ça dans la tête. Mais c'était objectif pas ça depuis longtemps. Mais l'homme fait l'empile, moi le bagarre résultat et ne pas comprendre ça l'état régler avec tout, me choisir